tout le monde, bienvenue sous Palmi Sakma pour la Kaye. En fait, dernier évidence, yo t'a montré que coronavirus ça ka baille le monde tout problème ça c'est dans laboratoire dans ville de Wuhan, c'est dans laboratoire li sorti pendant que yo t'a fait expérience. Donc contrairement à ça qu'a dit comme quoi c'était un petit marché côté commun qu'on a vendre bête, c'est un laboratoire, c'est expérience que eh bien des scientifiques de la Chine t'a fait dans un laboratoire. D'ailleurs tu commences à faire sur une chauve-souris, je dis comme une chauve-souris ça qui était infectée de coronavirus là. La vérité c'est que d'après hypothèse yo, c'est un premier monde qui gagne là même qui infecté la ta sorti dans laboratoire ça, pas même au courant. Il prend la rue et puis il simaille. Rendu que expérience ça ou t'a fait Amérique était même financé là. Évidence yo qui ça ou dit eh bien ça cap ravager nous là. Eh bien il t'est échappé avec attention. Équipe dans Rwanda. Parce que tout simplement, il t'a fait comprendre que le laboratoire, ça, pas bien équipé. Il n'a pas bien préparé. Conditions de sécurité, il n'a pas approprié. Et chercheur, il t'a conduit des essais avec un pile risque pour que le monde soit capable d'infecter. Et c'est des essais très dangereux. Et c'est ça qui t'a mené à la pandémie. D'ailleurs, ambassade américaine en fait les bases en fait li gen sandare li sou li tout en fait li dit c'est canal li qui te même voye dit l'attention ça k'ap fait là l'agent ou y'ap fait là c'est dans des conditions inadéquates. D'ailleurs gen un peu moun nan équipe yo pensé ki pat assez entraîné, ki pat assez formé pour faire, yo pat précis, yo pat respecter les consignes de sécurité. En fait depuis mois de mars 2018 et te gen par exemple des scientifiques des États-Unis qui ont été des diplomates qui ont été voyés dans l'Institut de virologie et ils ont parlé de des dossiers sensibles, ils ont parlé justement de sécurité dans laboratoire qui n'est pas adéquate, pas des mesures adéquates. Article ça a été paru dans le Washington Post depuis mars 2018. Et premier avertissement sur table tout le monde qui a dit mais j'ai un bagage qui a marché. Il a dit américain, tu es au courant de l'expérience que tu as faite là. Il t'a expliqué que j'ai une expérience que tu as conduit dans le laboratoire là. Il t'a fait une bien doux, c'est sous chaussure. Et tu as gagné en fait, fondou bien que tu te connais bien que virus ça, coronavirus ça, il a gagné même risque avec pandémie. SARS qui t'est passé. OK? Yo dit que t'es gagné deux officiels dans l'ambassade de Chine. Côté que t'es dit t'es gagné sans tout tabou là, pas gagné des séries de monde qui qualifié, qui entraîné des techniciens, des investigateurs qui pour te mettre toute sanitaire les des conditions de sécurité mettez bagaille en sûreté. C'est ça rapport la théorie bail. Jean Bassa ou t'a fait. Là, nous voulons rappeler une autre fois encore que ça n'a pas là, c'est que laboratoire où on a normalement l'État peut recevoir comme nommé des organisations des États-Unis, tant que laboratoire de l'Université de Texas. Et même Canal ça a tout suggéré que les États-Unis, en fait, n'a pas l'autre bail depuis 2018, pressé t'a doué bail. Des supports additionnels parce que recherche cap mené là yo c'est des recherches très dangereux. Tenez bien, je dis recherche yo et ben yo te connais yo voyez rapport dit recherche yo très dangereux. Donc je te voulais voyez sonnette d'alarme là à propos de conditions de sécurité dans laboratoire ça yo. Et officiel l'ambassade yo t'a demandé vraiment beaucoup plus de support dans le laboratoire pour fixer problème ça.
Donc, vraisemblablement, ça n'a pas les agents zéro, premier monde, t'as dit maman, virus là. Vraisemblablement, c'est à un employé, dans manipulation, puisque vous avez dit conditions de sécurité, ou bon, non, y a un virus qui est très dangereux, comme ça, pas adéquat. Mais c'est à lui que t'as infecté. Et de là étant, l'Ismaël, justement, dans où, hein? L'Ismaël, bah, la Chine. Et puis qu'il a gagné dans la catastrophe ça. Donc voilà, mais c'est là yo qu'il a parlé de conditions que virus ça arrivé échapper. Tendez bien, nous parlons de expérience et de comment ça fait sous chauve-souris, ça pour comprendre. C'est que scénario ça nous se présente là ça passé en Chine. Nous voulons tout le monde comprendre que non on m'a pas là voilà, il y a plusieurs type de scénario de ce genre qu'a fait un peu partout dans le monde là. J'ai dit non ça déjà. Là dans Chicago, il a fait expérience sous grippe aviaire qui normalement nous bien dire que ces oiseaux prennent. Mais il a fait des modifications génétiques pour faire que le cas entre sous monde. Pour qui ça? Argument ou bas, il dit qu'il va quitter la nature, il va aller la nature, il prend pour s'il t'a changé pour qu'il a préparé. Pour autant, en fait, attendez bien argument. Il dit bon, s'il t'a muté, il t'a besoin qu'on ait et qui impacte, qui va le faire combattre. Mais pour qui ça? Il dit qu'il va faire recherche là. Il n'a pas rien dit qu'il va le muter. Et le fait que le dispose, ça dit, je parle de grippe aviaire qui modifie génétique, qui mute, qui est capable de joindre les hommes, il est dans le laboratoire là. Donc, l'échappé là, nous mêler. Les hommes, justement, cap jouer avec le feu un peu partout. Ça nous dit là, et c'est presque un peu partout dans le monde. Là, il y a travail sur ça. Il y a fait des opérations très dangereuses. Ça veut dire, moi et ma voix, nous vivons dans un environnement côté que d'un coup, où on doit attendre qu'il y ait des séries de bagailles, qui, des accidents qui fait et puis qui menacent tout le monde là. Si y a travail contre virus, puisque logique c'est des virus pour s'il t'a sorti qui ont protégé tout, mais il y a d'autres tout qui travaillent sur des armes biologiques, pas tête chargée net. Des armes biologiques pour si on a besoin de gommer. Donc, si on va gagner ces armes nucléaires pour juste la grande arme biologique, pour aussi on a détruit un groupe, une troupe. Tu travailles ça au cap fait dans ce moment-là. Mais la question qu'a posé, est-ce que la Chine pas ta supposé gain des déménagements pour ta faire avec plusieurs pays dans le monde là. Ça me veut dire c'est que pour le moment présent personne ne va pas le désectionner la Chine parce que c'est la Chine capable de visionner le monde là dans moment là. La Chine est de retour pendant ce temps que l'autre partie dans le monde là bagaille a mal marché. Mais faut dire que tout la Chine goumé pour que li bien couvre dossier ça commencement à la fin li goumé pour que dossier ça pas prend la rue il fait un casse fait couvrir ça et ça la Chine fait premièrement la fait casse fait couvrir ça pour pas connaître que c'est dans laboratoire ça sorti mais il fait beaucoup plus de mal. Parce que pour qui ça? Et là, fait casser, fait couvrir ça, c'est que le monde, l'autre pays, yo, yo pas gagné temps préparé. De ampleur là. Et si de très tôt, parce que vous voyez comprendre que, bah, ça, l'en vin konen, l'en te gagné temps marcher sous la Chine. Oui. L'en reçu vin konen. Donc, si de très tôt, je te averti, tout pays dans le monde là, t'as gagné de meilleure préparation. Parce que, chercheurs, yo, scientifiques, yo, qui dans le domaine épidémiologie, yo do, ça dépend de qui l'on prend. Tant qu'on prend le pita, il n'y a pas les termes de préparation. Tant qu'on commence le pita, mais c'est tant que le pays s'achète. Donc, en clair, ça me dit qui ça? La Chine complice. Les complices du fait que les États-Unis gagnent, en fait, ils ont pas de complicité de toutes les façons. Parce que si effectivement, ils débattent tout le monde de l'information pour dire OK, mais on vit ce qu'il a qu'à dire, qui est très dangereux. Et qu'il n'y a pas de faire comme quoi, que c'est dans l'animal, il sautit, ça, deux choses.
tu as gagné la meilleure préparation. Des gars où tu es capable moins. Mais en réalité, ya. Donc, en clair, en définitive, bien que, non, on m'a pas la voilà. Mande moun la chine Abdou, non, c'est pas vrai. C'est tout officiel, pas bon ici. Yo commence à développer de meilleures confidences que c'est effectivement expérience qui t'a fait dans le laboratoire de Rouen qui mène nous dans sa nia. Donc, définitivement, t'es gagné un patient zéro. Un patient zéro qui t'a travaillé dans le laboratoire, ça, qui t'est infecté. Et puis, qui met dehors, qui peut-être pas même connaît que l'infecté. Parce que combien de monde qui est infecté, généralement, leur infecté, par contre, ou par contre, ça, on charge de monde qui est asymptomatique. Donc, agent zéro, ça, c'est chercheur, ça, employé, ça, qui travaille en dedans, qui est infecté, et qui met dehors, vous les avez dit, qu'elle jeune, qu'elle a qu'elle madame ni. Quand la caisse en mini, marché ou en bon autre monde, quand l'église est haute, et puis les simaye causé ça dans la ville de Wuhan, et de là étant Wuhan même, distribué dans Chine, Chine même, distribué dans le monde. Là. Et une bagaille claire, c'est que des efforts concrets, un peu partout de la France, un peu partout de la Chine, t'as fait et pour jusqu'à présent fait pour couvrir justement vérité ça qui commence à venir piquer pour chaque monde dans le moment où on a parlé là. Donc voilà, c'était justement tout détail qui expliquait sous laboratoire ça qui l'a gagné dans la condition que nous y venons aujourd'hui là. Rebranchez, c'était un détail sur le coronavirus là. Pas oublier vous inscrire sur la chaîne là. Bye bye tout le monde.